C'est avec grand bonheur que je vous retrouve, très chers amis, sur le canal La en Soi Clairvoyance. Vous êtes ici avec Julien Carrois En trois mots, je me présente pour les personnes qui arrivent sur ce canal médium, guérisseur, enseignant. Médium de la famille des guérisseurs enseignants. J'ai accompagné donc en cabinet, en tant que psychologue de formation initiale, pendant des années, des milliers de personnes. Et aujourd'hui, je viens vous proposer avec cette guidance signe astrologique quelques petits messages pour vous aider dans cette quinzaine. Trois disclaimers habituels. Le premier qui est c'est une guidance générale, prends seulement les messages qui résonnent pour toi. Le deuxième, vient compléter avec les autres guidances pour les autres signes astraux qui font partie de ton thème astral, hein, l'ascendant, le lunaire, le vénusien. Tu auras un tableau beaucoup plus global et des messages plus du coup euh, encore plus précis. Voilà. Ça c'est le deuxième disclaimer. Et puis le troisième, c'est nous sommes ici pour dépasser les dualités sur cette chaîne qui est dédiée donc à la liberté énergétique et à la réalisation du soi. Dans le, sur le chemin de la réalisation du soi nous venons délier des dualités. Donc, dans ces tirages, nous plongeons dans les dualités, dans les polarités, pour pouvoir voir ce qui se passe, parce que nous sommes ici pour les expérimenter en tant qu'êtres humains sur cette Terre, vous le savez, nous sommes dans un monde duel. Et nous sommes là aussi pour les transcender. Et donc, nous viendrons donner des messages hein, en fonction de, bah, de ce qui sort dans les tirages. Que retrouvons-nous dans ce tirage Avec ces cartes disposées ici, tu retrouveras l'énergie d'entrée dans cette quinzaine autour du 15-16-17 ici. Ah, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe pour toi, dans, dans ce signe-là, pour le collectif de ce signe L'énergie à du chine. Maintenant, nous aurons la force qui te soutient dans cette quinzaine, le challenge qui le tient, et l'énergie de sortie autour du 30 septembre. Nous irons voir sur le plan de la liberté énergétique qu'est-ce qu'on vient te conseiller ici. Premier conseil, deuxième conseil archangélique, et ensuite, tu as six cartes qui t'attendent sur le plan sentimental pour voir un petit peu quelle est la donne dans cette quinzaine. Allez, c'est parti Allez les poissons, c'est à nous On est parti, première carte d'entrée dans cette quinzaine autour du 15, 16, 17 septembre, nouvelle lune, quelle est l'énergie Boom, ça secoue les poissons. Il y a de la surprise dans l'air. Il y a du bouleversement, du changement, une surprise qui, euh, comme son nom l'indique, déboule de manière euh, soit plaisante, soit non plaisante. Ça peut être ici avec la tour, hein, euh, agréable ou non. En tout cas, ce qui est sûr, ça, ça, peut, ça peut nous parler dans, dans les surprises agréables, par exemple, de, de coups de foudre. Hein. Voilà, de, de, de cadeaux complètement inattendus. Mais la plupart du temps, je tiens à préciser, que cette carte ici est un bouleversement. Du petit moi, c'est-à-dire un bouleversement au niveau de l'ego, de qui on croyait être, et qui vient retrouver sa nature euh, originelle. Quand on vient retrouver l'âme, on vient sortir de notre tour, notre âme toque à la porte, et c'est du feu, c'est purifiant, c'est euh, une énergie de lumière, et ça secoue, du coup, pour nous permettre d'y voir de plus en plus clair. Donc, même si en apparence, cette carte pourrait faire croire à un effondrement, quand ça arrive, on se dit Oh là, là qu'est-ce qui se passe En vérité, c'est absolument le plus beau cadeau du ciel dans tous les cas. Voilà, alors, coup de foudre <laughs> c'est ce que tout le monde souhaiterait, pourquoi pas, pour les célibataires, mais même si c'est pas un coup de foudre pour la plupart des gens ici, pour la plupart des personnes, ça ne l'est pas, mais ça reste le, le plus beau cadeau du ciel, qu'on puisse avoir euh, cette transformation, c'est-à-dire, au lieu d'une transformation, qui est, bah, est effective, hein, concrète dans notre quotidien de plus en plus, c'est surtout un accueil de qui nous sommes. Voilà. On ne se transforme pas parce que nous sommes déjà, c'est juste que nous l'accueillons dans la matière, parce que dans la matière, nous ne le sommes pas complètement encore. Bien, donc ça va secouer à mi-poisson. Vous avez un événement qui, qui est là. Votre petit moi est en train de, eh bien, d'accueillir le grand et c'est une très très bonne nouvelle à nouveau. Donc, euh, à, voilà, attendez-vous à, à une transformation en profondeur qui est là. Vous êtes peut-être sur ce chemin depuis quelques temps et on vous dit que ça continue. Vous passez un autre cap. Euh, on va venir regarder. Donc là, quand ça arrive, ça sert à rien de s'accrocher. L'ego pourrait euh, vouloir rester absolument dans sa tour. Plus vous résistez, plus ça va être compliqué. Donc au contraire, c'est plutôt du, du lâcher prise et de, de l'accueil à nouveau. Hein. De l'accueil de, de ce qui se passe parce que mon âme est en train de me guider exactement là où je suis censé aller. Carte suivante, la force qui vous soutient, les poissons. Magnifique. Regardez, il y a une détermination qui est là avec le chariot. C'est justement euh, bah, l'énergie que j'avais juste avant de tirer la carte, c'est-à-dire d'y aller. Vous, votre âme sait où vous menez et elle vous y mène. Donc vous avez cette force-là, cette énergie-là. Euh, donc c'est une très belle nouvelle. Le chariot, c'est une énergie de victoire, de triomphe d'avancer de persévérance, on va tout droit. On sait où on va. Donc ça, c'est une de vos forces. Maintenant, je vois aussi le truc un peu venir. On peut vous dire, oui, c'est bien d'avoir la persévérance, c'est bien d'avoir cette confiance-là, cette, cette, cette force d'aller de l'avant. Maintenant, pas que ça devienne euh, quelque chose de l'ordre du contrôle, de quelque chose de contrôlant. Je vais contrôler tous les paramètres de mon chariot. Quoi. La vitesse, euh, les roues, il voilà, faut que ce soit pile-poil... Euh, sur mesure exactement comme il faut même si on préfère évidemment sur, quand on a un grand voyage maintenant il est possible qu'on qu change de véhicule à un, un moment il est possible que notre corps évolue euh, qu'il reçoive de nouvelles fréquences euh, que les paramètres du coup euh, que l'on ne maîtrise pas change parce que bah, euh, l'univers euh, est absolument magique donc ici on peut nous ça pète en force oui euh, as cette, cette 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 détermination qui est là pas que ça devienne quelque chose de trop contrôlant parce que ça risque de t'accrocher et à ce moment là de pas euh, ne pas te permettre de, de sortir de cette tour. Ça c'est un petit, euh, comment dire, un petit euh, warning pour euh, pour pour certains pour pouvoir aider à, à se à se lâcher prise à cet accueil vis-à-vis -vis des événements qui arrivent. On va voir ce qui passe, ce qui se passe après. Euh, le challenge pour vous les poissons. Oh, ouais. J'ai la force, la carte de la force. Donc à nouveau la carte de la force c'est justement trouver l'équilibre entre l'âme qui a qui arrive de plus en plus et l'égo. Moi, moi je veux continuer à chasser dans le même bois dirait le lion. Sauf que vous, euh, mesdames, messieurs ici, bah, vous, avez, vous avez prévu autre chose en vérité. Bah, ouais, votre vous véritable a prévu quelque chose d'autre. Et voyez, il y a vraiment cette notion de force, de détermination, de je sais où je vais aussi. Donc, ça bataille à l'intérieur de vous. Euh, voilà, il y a un rapport de force à l'intérieur de vous entre euh, entre bah, euh, votre petit moi et, et qui vous êtes véritablement, entre le mental et le cœur. Donc, ça peut être aussi euh, un conflit. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus interne, un hein, poisson. Mais il peut y avoir la notion de, de conflit euh, aussi avec la carte de la force. Ça peut être un rapport de force à l'extérieur. Ouais. Donc là, à ce moment-là, on vous dit ouais, de, de croire en ce que vous dit tout simplement votre cœur pour pouvoir euh, eh bien, suivre la, la, la bonne ligne de temps, j'ai envie de dire. Vous voyez Il y a plein, plein, plein de lignes de temps possibles en fonction du libre-arbitre et du choix. Mais en fonction de si c'est le mental ou si c'est l'âme qui fait le choix, vous n'irez pas du tout sur la même ligne de temps. Et donc là, quand vous avez trouvé la ligne qui vous correspond, ça va vous demander de, de la suivre tout en étant, euh, du coup, parce que vous savez pas, enfin, vous savez que vous allez euh, par là vis-à-vis -vis de, de certains choix, mais vous ne maîtrisez pas tous les paramètres de ce qui va se passer plus loin. Donc, pour avancer, bah, vous faites confiance à la vie, vous accueillez les, les informations, les signes, les synchronicités pour pouvoir, du coup, euh, 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 œuvrer avec cette intuition euh, pleine et, et calibrée et très utile sur ce parcours euh, terrien. <laughs> Alors, carte suivante maintenant ici, Ami Poisson, qu'est-ce que ça nous dit en termes d'énergie de sortie, autour du 30 septembre. Le conflit à l'envers, magnifique. Vous voyez, justement, on a le, le 5DP, qui est euh, le conflit mental. Vous savez, c'est un salon de thé absolument pas agréable, c'est-à-dire où tout le monde parle fort et sans gueule. <laughs> c'est le plateau télé où tout le monde va avoir raison, et où personne n'écoute personne. Voilà, c'est des batailles d'ego. Donc là, cette bataille interne, qu'elle soit interne ou externe, hein, là, c'est sur un plan mental, donc ça commence toujours par l'interne, <laughs> mais là, vous l'avez à l'envers. Donc vous sortez du conflit mental, c'est-à-dire que vous mettez de la flexibilité dans vos pensées, vous mettez de la, de la douceur. Il y a beaucoup de force, donc vous avez la force de suivre votre cœur et en même temps cette douceur, cette flexibilité mentale euh, pour pouvoir être sur des pensées qui soient plus euh, euh, adaptées vis-à-vis -vis de, de la force du cœur en fait. Voilà. Et donc euh, ces pensées se, se fluidifient en termes de d'énergie. Vous mettez une énergie qui est différente dans vos pensées. Vous y amenez votre grain. Euh, de sel, c'est le grain du cœur, c'est-à-dire l'énergie, la petite, la petite goutte de d'amour qui part de votre cœur, voilà, vient vous aider à, à mettre des pensées de plus en plus euh, verdoyantes et à faire fleurir ces graines dans votre esprit. Super. Euh, on avance maintenant avec liberté énergétique ici, qu'est-ce que ça nous dit euh, Le conseil pour vous les poissons, l'équilibre, super, voilà, donc trouvez, vous êtes en train de trouver votre équilibre avec, c'est vraiment présent, hein, parce que euh, Là avec le chariot, il y a la notion de trouver le bon équilibre pour avancer tout droit avec les deux chevaux. Il y a le yin, le yang. Donc là, il y a déjà cette notion d'équilibre. Ensuite avec la force, on nous parle de trouver l'équilibre entre notre véhicule terrestre, euh, notre corps, le système égotique et, euh, et l'âme. Donc là, je viens permettre au spirituel et à la matière de venir euh, bah, s'entremêler se, de manière euh, équilibrée pour pouvoir être euh, bah, dans son axe ici euh, dans cette expérience terrestre. Et vous avez donc du coup, euh, euh, voilà, à nouveau une carte qui amène l'équilibre, donc c'est très intéressant hein, poisson, parce que même si ça secoue, même si vous avez eu des nouvelles euh, annonçant le changement, ben, vous êtes en train de ouais, vous œuvrez avec, euh, j'ai envie de dire, maturité ici. J'ai de la maturité. J'ai de, la... de la persévérance. J'ai de l'envie. Ouais, magnifique. Absolument magnifique, poisson. Carte suivante, maintenant, le conseil archangélique. Déployez vos ailes. Ouais, donc là, vous vous envolez. Alors... Ne vous accrochez pas, voilà. Ne vous accrochez pas, à ce que je vous disais ici, ça sert à rien. Ne vous accrochez à l'ancien. Vous êtes en train d'accueillir le nouveau. Voilà, embrassez, embrassez-vous. <laughs> embrassez votre nouveau moi qui arrive. C'est, il arrive. Ne vous accrochez pas au petit moi. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Magnifique. Très très belle ode euh, à la liberté, ode euh, à, à l'expansion ici à mi poisson. Waouh. Allez, très beau tirage. J'adore. Hein ce qui n'a pas été le cas pour tous les signes parce que ça secoue, mais ça secoue plus difficilement pour, pour certains signes. Voilà, c'était je me souviens, les vierges, les lions, c'était compliqué. Mais bon, c'est des passades et d'autres signes c'était un peu plus sympathique, c'était beaucoup plus vibrant en termes de, de, de niveau vibratoire. vis-à-vis -vis de On était plus dans la légèreté que dans la profondeur de, de ce qui était tracassant, ça dépend des uns et des autres. Pour vous, poisson, même si ça secoue, bah, j'ai envie de dire, vous, vous prenez vraiment le euh, vous êtes dans une vibration qui est beaucoup plus euh, joyeuse, beaucoup plus euh, apaisante, beaucoup plus euh, positive. Sur le plan sentimental, hein. la codépendance. Donc, on vous invite à prêter attention à cette énergie de dépendance pour pas, et euh, eh bien justement rester dans votre tour. Donc, ce que vous êtes en train de délier, c'est des, des énergies à ce niveau-là. Euh, on peut être ici euh, étriqué. Euh, dans des schémas qui, qui ne correspondaient pas et dans cette tour justement c'est pas toujours agréable euh, on fait un petit on tourne en rond il euh, y a peut-être des schémas que vous avez répétés et aujourd'hui ben, vous avez envie d'être beaucoup plus en phase aligné avec, avec qui vous êtes avec votre être qui prend de l'ampleur qui arrive de plus en plus et euh, ça va vous permettre du coup et euh, euh, eh bien un relationnel qui est plus euh, qui est plus vibrant qui est moins euh, fatigant voilà qui prend moins d'énergie ce que fait la codépendance elle va nous épuiser hein. on va être dans des, des liens d'attachement d'attachement négatif alors que l'amour inconditionnel est un, euh, est un liant naturel, euh, magique et, et exponentiel qui est infini. On continue. La passion. Magnifique. Donc, il peut y avoir de la passion, en effet, dans, dans cette, euh, dans cette euh, intrication. J'ai quand même le mot intrication qui vient. Donc, c'est que... Ouais. Ça vient vous challenger dans, dans, dans les profondeurs aussi. Attention. Euh, poisson, justement, ouais, ne pas... Euh, euh, croire que la passion est faite de toxicité. Parce qu'on peut avoir des relations passionnelles, hein, des passion, ce qu'on appelle la passion amoureuse, qui est en fait euh, euh, la résurgence de, des toxicités, on est attaché, dans, on est dans un attachement négatif, et c'est là qu'on est dans de la codépendance. On peut trouver la passion dans une relation, mais qui soit euh, une véritable passion inconditionnelle dans le sens où nous ne nous sommes pas dans des liens d'attachement négatif, mais plutôt dans euh, un amour qui est fait... Euh, de liberté, de tolérance, euh, de, de respect mutuel. Et c'est ici qu'on peut avoir euh, les, les rapports les plus vibrants sur tous les plans. N'est-ce pas Donc, on vient euh, se souvenir que même si on vit une passion amoureuse, ben, si je vis une, pa une passion amoureuse, ça va m'amener vers la destruction. Donc, j'ai envie de vivre la véritable passion, c'est-à-dire en effet écouter les désirs de mon cœur, et non pas euh, l'amoindrir et non pas le laisser pourrir à revivre la même blessure ad vitam aeternam, voyez Donc, là, la dualité, c'est euh, passion destructrice, ce qu'on appelle la passion amoureuse, qui est faite de codépendance de toxicité, où c'est la blessure du cœur qui se rejoue, versus la véritable passion, c'est-à-dire écouter son cœur montrer le chemin donc, de la liberté, de nous montrer le chemin de l'amour inconditionnel, et de vrai pour son cœur, de manière indépendante voilà j'ai pas besoin de l'autre pour être heureuse mais je peux être avec un autre parce que bah du coup je m'écoute suffisamment ok cela demande aussi d'avoir à quelqu'un de très mature avec soi hein, que si mature que soit dans, 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 ce, dans cette configuration on est dans, dans une véritable passion hmm. alors carte suivante l'amour non réciproque à l'envers hmm. qu'est ce que ça vient me dire ici bon je ne suis pas sûr qu'il qu n'y ait, qu ait pas de. Ah, j'ai plusieurs messages qui arrivent. Alors, ah pour, certains, pour certains poissons, c'est euh, arrêter de penser qu'il n'y a pas de réciprocité dans cet amour-là. Euh, c'est juste que l'un et l'autre aiment différemment. OK Ça, c'est le premier message global, j'allais dire. Parce que vous êtes très nombreux, donc il y en a forcément plein, plein, plein de messages. Mais je vais donner les tendances premières. Après, vous adaptez vous-même, je vous fais participer à votre, euh, votre situation. Le deuxième message, c'est que je, je peux être avec quelqu'un ici qui est de l'ordre du narcissisme. C'est-à-dire que moi, je peux être du type euh, à ce moment-là plus empathique, très branché aux euh, émotions, et par contre, avec un manque de confiance qui fait que je ne, je, vu que je n'écoute pas suffisamment mon cœur, je tombe justement sur des pilleurs. Et là, je vais tomber sur des narcissiques avec qui il n'y a il n'y a pas d'amour réciproque. Un narcissique n'aime pas. Il ne s'aime pas lui. Enfin, il n'aime que lui. Donc, vu que c'est de l'ego, il ne s'aime pas en réalité. Il se rejette. Un, un, il ne se donne pas véritablement de l'amour. Il se donne une, une fausse importance vis-à-vis -vis de ce qu'est le réel. C'est-à-dire qu'il croit être seul contre le monde et que lui est meilleur que tous. Alors qu'en réalité, s'il s'aimait vraiment, eh bien, il pourrait aimer les autres. Un narcissique ne s'aime ni lui vraiment, ni l'autre. Ce n'est que de l'ego et de l'égoïsme. Donc là, attention parce que du coup, vous pouvez être entremêlé, ce que je vous disais, dans une passion qui est destructrice. Attention, poisson, en fonction de... Voilà, de, de, comment ça parle pour vous Dites-moi dans les commentaires, en fonction de votre situation. Euh, donc pour certains, il y a équilibré certains liens qui peuvent être hein, de l'ordre de l'attachement négatif et on n'a pas à, à se faire trop de mourons pour rien. Il y a des doutes peut-être infondés. Pour d'autres, c'est le contraire. Il y a des liens qui sont trop toxiques. Et ici, euh, on va aller vers, vers quelque chose de destructeur si on continue dans ce sens-là. Donc il va falloir euh, ouais, probablement euh, couper des liens. Plus sèchement que dans la configuration précédente que je viens de citer. Carte suivante. Surprise à l'envers. Ouais, je peux avoir une mauvaise surprise. à hein. La nouvelle lune, ça précise aussi. Hein. Bon, je peux avoir une nouvelle surprise sur le plan sentimental. Hein. Ouais. Ton âme sœur n'est pas prête. Il y a quelqu'un ici, dans le, dans, le, dans le relationnel actuellement, qui n'est pas prêt pour aller euh, aussi loin que vous l'êtes, euh, la poisson. J envie de dire, vous êtes devant dans le cheminement. Donc, quand on me dit ça, voilà, ton âme sœur n'est pas prête, c'est que. Elle n'a pas mûri suffisamment. Euh, elle a pas mûri suffisamment sur un apprentissage spirituel en cours. En tout cas, pour le vôtre, concentrez-vous déjà sur vous plutôt que sur votre âme sœur. Parce que visiblement, il euh, y a des choses à, à faire avancer. Et il n'y a, a qu'elle-même, il ou elle, hein, bien sûr, qui peut le faire pour, euh, pour lui, pour elle. OK Carte suivante. Rencontre par synchronicité à l'envers. Bon. c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, le, la rencontre adéquate pour certains... Hein, J'attends quelqu'un, si. Il ouais, y, y, a, y a certains poissons, c'est je suis dans la codépense et j'attends quelqu'un. Je, je suis dans le quand est-ce que va arriver la personne. Euh, j'ai envie de vivre la passion et j'ai envie de vivre un amour qui est réciproque, bien sûr. Mais je ne pourrais pas trouver cet amour réciproque si je suis dans l'attente de, de ce quelqu'un qui, en plus, n'est pas prêt. Que vous l'ayez rencontré ou non. Alors, ça va me demander de vivre ma passion, moi, de manière indépendante. Et ensuite, les, ces cartes vont pouvoir se retourner. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir avoir une surprise. Là, bah, mon âme-soeur va peut-être être prête parce que j'aurais fait le chemin moi aussi de mon côté. Vibratoirement, j'aurais changé. Et là, je vais avoir des synchronicités. Ça me dit que c'est pas pour tout de suite, poisson, à ce niveau-là. Donc, il y a un temps de, de latence euh, où ça vous demande, vous, de ne pas être dans l'attente, euh, mais d'écouter votre passion, c'est-à-dire les désirs de votre cœur, et de les mettre en œuvre, pas sur le plan sentimental. Ça viendra sur le plan sentimental à partir du moment où vous serez axé, ancré vis-à-vis -vis de votre individualité à vous. Déjà. Voilà, mes poissons, ce que j'avais pour vous. Dites-moi en commentaire, commencez, likez, commentez, partagez. Je vous dis à très bientôt pour la guidance Signastro euh, début octobre, pour la première quinzaine d'octobre. On verra comment ça évolue pour vous. Commencez au niveau énergétique. Et puis, euh, vous avez euh, plein d'autres capsules vidéo qui arrivent sur ce canal qui est dédié à la libération énergétique et à la réalisation du soi. On commence doucement, mais sûrement. Et puis, au fil des jours, des semaines, des mois, vous allez avoir de plus en plus de contenu. Et euh, eh bien, euh, j'ai envie de dire, et précis et plus profond pour nous amener de plus en plus vers la libération. Je vous embrasse très fort. Ciao